le monde, mais également que la société et l'environnement, que la société et l'environnement lui mettent par devant elle. Donc, il suffit juste pour ce faire que les gens, mais également surtout les hommes, lui accordent la possibilité, mais également lui donnent la possibilité de montrer sa compétence, mais également de montrer ses expériences. Donc, ce que nous demandons aux filles, et particulièrement aux enfants qui sont ici aujourd'hui, c'est de montrer leurs capacités, en quoi faisant, en s'impliquant davantage sur toutes les activités qui peuvent montrer que vous pouvez être des actrices de développement dans votre communauté, afin de pouvoir maintenir haut la flamme ce que nous appelons le développement. Donc, nous vous encourageons davantage dans l'éducation, mais également dans toutes les activités qui peuvent développer votre communauté. Donc, sur ce, je suis vraiment ravie d'être ici en tant que représentante du président du Conseil régional de la jeunesse. Merci beaucoup. Avec nous, cette journée internationale de la jeune fille. Donc, au niveau international, ce sont les organisations comme Plan International qui se sont battues pour consacrer une journée dédiée aux filles. Parce qu'ils sont partis du constat que beaucoup de filles, donc les filles sont les plus vulnérables dans la société. Si on prend le domaine de l'éducation, l'accès à l'éducation constitue une contrainte pour les filles. Et on se rend compte que, à toutes les étapes du cycle primaire, les filles sont présentes. Mais quand on aborde le niveau moyen secondaire, donc on commence à avoir des déperditions. Et au niveau du supérieur, l'écart est plus grand. C'est parce qu'entre-temps, beaucoup de pratiques néfastes surviennent à l'encontre de la jeune fille. On peut citer les mariages précoces, on peut citer les mariages forcés, on peut citer les mutilations génitales, donc etc., etc. Donc, qui constituent autant de contraintes pour la jeune fille. Et donc, il est de notre devoir, en tant qu'organisation de la société civile, donc la Fédération d'Imbaya, Child Fund International, de promouvoir un peu l'éducation des filles. En quoi faisant? En faisant le plaidoyer auprès des autorités pour que les droits des filles puissent être respectés et promus. Pour que l'accès à l'éducation pour les jeunes filles soit encouragé et que les jeunes filles entrent à l'école et s'y maintiennent. Ça, c'est un défi donc, pour le Sénégal. Et nous y travaillons. Chaque année, donc, nous développons des programmes dans le domaine scolaire pour appuyer les filles. Nous développons aussi des activités avec les gouvernements scolaires. C'est pour un peu permettre à ce que les jeunes filles puissent prendre en charge leurs propres préoccupations liées à la protection, etc., etc. Donc, je ne veux pas être trop long, mais c'est une occasion pour nous tous de nous retrouver, de réfléchir sur la problématique qui constitue des facteurs de blocage pour les filles. Et donc, nous nous réjouissons vraiment de la présence des délégations venant de Niagis, de Niassia, de Enampor, n'est-ce pas, de Boutoupa Kamara-Kunda, de Ziguinchor, donc de Enampor. Donc, toutes ces associations sont représentées aujourd'hui ici pour célébrer avec nous la journée dédiée aux filles. Et c'est une importance capitale. Donc, nous remercions aussi la présidente du Conseil départemental de la jeunesse, donc, qui a fait un très bon discours, qui a collé à l'actualité. Et donc, nous déclarons ouvert la journée de la jeune fille. Donc, et nous souhaitons que tout ce que nous allons entreprendre aujourd'hui puisse entrer dans le contexte du plaidoyer pour pouvoir donc plus de promotion pour les droits des filles et l'égalité. Merci beaucoup. Je m'appelle Diana Badabo, je suis la représentante du maire, mais je suis la première adjointe au maire chargée de la protection de l'enfance. Cette journée est très importante pour nous les filles. On ne va pas se nier, on va dire que nous les filles, nous avons une place importante dans la société. Il serait temps que nous les filles agissons. Nous disons, nous réclamons que nous voulons l'égalité.
Et c'est à nous de travailler pour cette égalité. Donc, j'appelle toutes les filles à se battre pour leurs rêves. Aujourd'hui, on est là pour célébrer notre journée. Quoi de mieux que les filles pour diriger cette journée? Alors, comme l'a dit le manager de la Fédération d'Imbaya, je déclare ouverte la Journée internationale de la fille. Toutes ensemble, nous allons apprendre. Mais soyez certains que, puisque comme on le dit, comme le dit Abraham Lincoln, croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être, mais croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. Donc je tiens à dire aux jeunes filles d'être l'artiste qui colore leur vie et d'être l'artisan qui façonne leur corps, afin d'être l'architecte qui bâtit leurs pensées. Alors toutes ensemble, célébrons cette journée comme on le doit. Bonjour à tous et à toutes. Comme vous le savez, je m'appelle Neymar Kora, j'ai 14 ans et je fais la classe de 4e. Depuis que j'ai 9 ans, j'ai vu que mes soeurs passaient chez mon père pour travailler. Mais je demandais toujours pourquoi ils partaient travailler, parce que papa était là-bas. Mais depuis que je suis partie à la télé, j'ai vu que mon père travaille à fond pour qu'on ne dort pas le ventre vide. Moi aussi, j'ai mis ça dans ma tête, que je ne dois pas jouer. Je dois aider mon papa pour qu'il travaille aussi. Des fois même, il est malade, on n'a pas d'argent pour le soigner. C'est pourquoi ce métier, je l'ai appris depuis que je suis petite. C'est pourquoi, même si les gens me sabotent, ça ne me dérange même pas. Parce que les paroles de mes parents m'aident aussi à m'encourager de continuer ce métier aussi. Merci. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis persévéré dans ce que tu sais. C'est ce que tu fais. Tu es avec tes soeurs aujourd'hui, tu es avec tes frères. Dis-toi que la porte de la fédération, les portes de la Fédération d'Imbaya, du moins, se seront toujours ouvertes. Quand on aura des activités, ça ne va pas se limiter seulement sur la journée de la jeune fille. Il y a d'autres activités qui viendront. Tendai, Nenelen, Bougoul, Degis, Aïe, femme au foyer, te l'olai bagne. Moulin, Nia, Bouba, Soukode, Fé, Nyun, Nyup, Nyutok, Bolo, Dem, Digay, Am, Métier. Dai, Djangede, elle est en classe de 4e. Ouai, Loulou, Té, Oul, Mouy, Def, Métier, Mécanique. Day jang bu baax kon def métier téréwul ñi tay ngay jang. Et je dis vraiment à Day un grand merci et à tous les enfants ñi nga xamni ils font tay li nga xamni mom la Day di def. Vraiment un grand merci à toi Day, parce que je leur dis que même si tu parles de ça, ça ne me dérange même pas. Tu parles seulement parce que toi tu n'as pas de métier, c'est pourquoi tu me sabotes. Et les hommes qui disent que toi tu fais la mécanique, tu es un homme quoi, ils ne veulent pas que tu avances, c'est pourquoi ils font tout ça. Donc, comme là simplement de moi, je parle du fait qu'à l'école, peu importe dans différents secteurs dans lesquels vous bossez, soyez toujours sûrs, assurés, déterminés d'être les meilleurs. Parce qu'en étant les meilleurs, on leur montre que nous sommes égaux. Donc je tenais à vous dire, certains métiers comme la maçonnerie, être dans le domaine de la mécanique, ça n'empêche rien du tout. Vous êtes une fille. Et comme on le dit, nous sommes le berceau du monde, nous sommes le noyau de la société. Sans nous, rien ne peut avancer. Alors pourquoi ne pas essayer de chercher un métier qui nous convient? Peu importe l'opinion des gens, ne jamais avoir peur de réaliser ses rêves. Ça, c'est le conseil d'un des maris. Alors croyez-moi, comme le dit Jonathan Bablon, c'est l'un de mes fétiche préféré, je dirais, croyez en vos rêves, ils se réaliseront peut-être, mais croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas là en train de dire je veux devenir, et vous ne faites rien pour devenir cela. Donc, quand on veut devenir quelque chose, il faut fournir des efforts pour être cela. Il ne faut pas rester dans un coin et dire je veux être médecin, alors que tu n'as jamais vraiment essayé. Alors, le conseil que nous donne Daymarie, c'est d'agir. Boutouba. Dede wa boutouba neex ñu fi dé ñu ngi nelaw dé ané ngi boutouba ah yéna nek ni ha OK donc comme thème bi aussi dañ né ci accès la accès donc man damay ñëw ci accès à l'éducation est-ce que wa boutouba mën ngeen ñu wax touti
yenn jafé jafé moy galankor jangou jigen ci sen zone parce que laj nañu xam ko pour mëna poser ay jalons pour mëna tendre vers la résolution de ces problèmes du deug donc boutou pas kan moy volontaire bi pour nous dire voilà très bien on a une... Je m'appelle Khadijatou Kamara, je viens de Boutouba Kamara Kunda. Mes étudiants ici à Jigencho, au lycée de El Hadj Omar Lamine Badji. Bon, nous à Boutouba Kamara Kunda, nous rencontrons diverses difficultés, surtout les filles. Par exemple, il y a les mariages précoces et les grossesses précoces. Nous les filles, on n'a pas de problème au primaire, mais quand tu es arrivé au collège, on a des difficultés. Il y a les grossesses précoces qui nous fatiguent. On étudie des fois une seule année en classe de 6e. Il y a les grossesses précoces qui surviennent. Et aussi, il y a les mariages précoces. Ça aussi, c'est un problème pour nous les filles à Boutouba. L'étude à Boutouba, je peux dire que c'est un peu difficile pour nous les filles. Oui. C'était ça que j'ai. Au niveau de l'association Kadjudanapo, toutes nos activités que nous menons, nous les enfants, à chaque fois, on propose des sensibilisations sur les grossesses précoces et des mariages précoces. Ouais. Merci beaucoup. Je suis Aïssatou Kombe Diallo, je suis manager de la Fédération d'Imbaya et Tonton Yufinek. Bon, Corinne, ce que j'ai dit, je suis contente. Franchement parlé de ma contente bu baakha ci ndey parce que ndey tay woné na ben acte tay jigen tay bu bëggoy def ben métier def na tay bu lu sétané ndey rek action ndey kumu doyul dootu la doyoti franchement parlé man mi ma ngay doga gis bima ko gisé dama contente torop ma xamni ni tay ndey tay sigil na jigen ñi li rek woné na ni lu suñu mam Abdoulaye Wad doon wax lu jigen mën lu goor mën ben jigen mën nako fuk kon ndey tay genné na lool nonu. Vive les femmes et merci beaucoup Ndaye, franchement. Yalla yokku bu baakha franchement pas l'été journée bi tay mën na la wax jigen ñi gagné nañ ba paré parce que Ndaye rek borna victoire bi. Merci beaucoup. Ma ngi nuyu kenn ku nekk ci turum ak santam. Ma ngi tuddu Khadija Diallo, di présidente du conseil de quartier pour la protection des enfants de Kandé. En même temps du conseillère au niveau du conseil communal bu Jigenchor. Comme sama morom yi niñ ko waxé journée bi dafa nek journée bi nga xamni dañ ko dédié jigen ni di wax aussi à chaque fois ñuy célébrer journée bi day tax ñi gëna xam suñu ak suñu yellef voilà comme luñu jotta sétane ci projection bi moy ndey dafa findé li nga xamni comme Aïcha lum ko waxé lepp lu goor mëna def ben jigen mëna ko def fuk kon dignité dafa bok ci nit nga baña tok à chaque fois di talal loxo ndaxte numu yag ku nek ñaan nga yalla nek femme au foyer mais bu nek femme au foyer bi nga xamni da ngay basé wu ci ki nga xamni motax nga nek fa wala ngay basé wu ci ki nga xamni à chaque fois di talal loxo té néna nit ku yag talal loxo bu yagé nga wacc sa yoon té képp ku wacc sa yoon da ngay ñak sa dignité té nénañ nak kén ñakul dignité wayé bu féké bugo def flak fayda di nga ñak sa ngor et pourtant nak lolu day bok ci li nga xamné day wañi développement et que professeur Cheikh Anta Diop waxon nako néna c'est la sécurité qui précède le développement alors que bu féké dignité amul sécurité amul bu féké sécurité amul kon nañu xamni développement du am alors que la fille la femme moy mama te mama motax société am kon tay ma ngi wax un grand merci à vous tous et que di remercier aussi goor ñep ñi nga xamni ñi ngi fi tew di wax que ni journée bi ni bu féké tuton goor ñi buñ ci japp ton dina ñaaw torop kon goor ñi ak jigen ñi ben lañ sa suñu célébrer journée de la fille jappal ni ñun ñëpp la ndax té fi ku fi né yaay jur nga fi dombu goor kon merci beaucoup et que cette journée soit bien man kandé bi mom c'est la première fois moy gis ni jigen buy def mécanique ça m'a tellement touché que mun sama yaram bi yépp daw lu may conseil ci ñu jigen ni luñ fi wax rek jigen ni goor yi luñ mëna def jigen ni mën nañ ko def
Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Diara Diame, je suis de la commune de Niagis. Bon, Niagis Dar, sensibilisation, grossesse précoce, wagné na ci école ak mariage précoce. Pour l'instant mom, jigen ni dañuy bañ ki pour genn jappalé sen wajuré ak liguey. Lool rek moy jatt bi. Wa. Et fanyo bi bo paré, bon, ça m'a vraiment pu que je n'ai pas de mots à le dire. Franchement, bon courage à toutes les filles et lu gor mo def jigen mëna def lu raw lool. Donc je vous conseille ku nek nga am sa ambition nga xamni suba yaay don sa borom keur. Merci. Bon, man ma def vidéo bi, hein, vidéo bi man ak sama ben copain ñoko tourner, ñoko monter. Mais juste pour wax len ni c'était pas facile nday lu mu def lu mu meun même ñun goor ñi sax amna ñinga xamne buñ len timolon caméra pour ñu wax ñaari mo dina metti lool du lu yomb quoi dama bëgg ñen tacco ko ci lool doono le fait que mu am courage déjà métier bu muy def c'est très rare nga gis jigen mu def ko. C'est très 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 rare nga gis peut-être dans les autres régions. Wow. Peut-être dans les autres régions parce que fini amna école technique mais amul lycée technique. Té lolu japp na luñu wara xex la quoi. Parce que ab deuk ab région munta am collège technique ba paré amul lycée technique. Fi ñi fi def technique yépp buñu amé befem dañuy dem Dakar. Buñ demul Dakar ñi ngi dem Kédougou. Suñ demul Kédougou ñi ngi dem Djourbel. Région yo ñofi am Thiès la, Djourbel, Kédougou, Dakar. Ñofi am lycée technique ak Saint-Louis ak Kaolack. Kaolack buñ ko amé sax xamna yagul. Donc jigen xor war nañ xex lolu pour ñu am lycée technique nga xamné au moins nit ñi buñ défé étude secondaire technique dinañ mëna continuer sen lycée ñu def ñu continuer sen technique quoi. Nday 4e lay def xawmo peut-être est-ce que sax mi ngi def série T après le BFM mais amna fimu doon ni collège qui bloc scientifique et technologique fa ngay defé fa ngay amé arme yi nga xamné di nga mëna dem def série T parce que série T pour nga def ko fa nga def bloc scientifique et technologique parce que fofu non di nga jang technologie mais mom ainsi ni xamna jangou technologique seulement que day dem siour papam bu nekké ci mécanique bi comme que papam amul ay domi goor mu dal di dem jappalé papam lolu du lu yom xalé bu am jom moy def lolu quoi dafa am jom xalé bu téra am jom la lolu dama ko gis ci mom parce que man mako filmer gis na lolu quoi voilà di len wax yeen jigen ñep ngeen bay di def sen xel ni yeen mëno len def domaine technique mëno len dugg ci domaine technique bi gaay dañ leni nax dañ yeen dañ len bëgg jël rek def len ay littéraire bo fi jime dem série scientifique sax ñu ne la ah ki mom dafa goré dañ leni nax jigen baxna gor baxna du tiagne jigen rek mom mo meuna def étude technique wala étude scientifique yeen ñu yobul len série littéraire lolu gene len ko sen bop bo len démé xol sax fimu tolni série S yi ak série T yi les meilleurs c'est les filles kon len yeen ñi nek ay xalé gene gëm len ne carrément meun ngeen def étude technique meun ngeen def étude scientifique té meun ngeen ci réussir da ngeen gis ay jigen ñu nek chef de projet nga xamné ay goor ñoy daw ci ginaaw juste pour wax len ngeen gëna goor ngeen gëm ne goor baxna jigen baxna li goor meun jigen meun nako voilà lool la amone lumay wax. Je m'appelle Boubacar Diata, enfant du conseil communal. Ndey dama la bëggone félicitations xam nga vidéo bo djegi def ni rafet na lool dama am ñaari question bu lu bëggal poser moy que sa première question moy que ndey manam say da waxon ci ay wax mu ne xam bo demul école da ngay dem liggéey est ce que yow di nga am temps boy réviser kër ga manam mu doon xam yow sa emploi du temps travail ak ki école bi noko jappé la bëggone ñin
manam nga xamal ni ko ñun xalé benen question moy que yow lool no ngay dundé sen école de ce professeur xamna nda yaay def métier bi nda ce professeur xamna yaay def métier bi wala ce directeur da ñom da lay gën encourager wa ñaari question la am bu mu lay woon poser merci damaay def suma démé atelier bongon 18h rek ma ñew jang suma jangé si ngone si goudi sen rek ma dem teul fayar tamé ma juk dem jangu ci lolou néna ba xam ndax calculer ko ba paré néna ba xam ndax ci bir école bi noy dundé lolou non ndax yow sa prof yi xam nañu yaangi def métier mécanique en même temps di jangal waw amna ñu xam amna ñeneen tamen ñu xamul parce que suñu romb dem ñibi fofu lañ may fekk may topu. Bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Ibrahima Sane. Je fais la classe de CM2, j'ai 12 ans. Mais je suis content. Je suis un peu plus jeune. Comme mom des sa fierté pour mi dundal mais buñ ké dimbalé suñu xarit yi dañuy rétane man ak assane mais man ma ci fier mais buñ ma rombé rond-point fekk ma may jaay dañ méné yow goor ci jaay dam len di né merci parce que pour ma dimbalé sama yaay suñu luñu def enfant leader en même temps volontaire à Déclic. Sincèrement, je vous remercie parce que li ngay dund ni man tam ci la jaar. Sincèrement. Parce que si jigen ni ñu fi tok ni yépp yaakaaru ni ñu goor day tok mais moi je cuisine. May togal sama pap tonton Cyprien mu ngay gis ni sax mëna ko togal. Te mëna la wax. Sincèrement parle. Jabarom day fièvre du xalaat naan sama jëkkeur lekul. Sama jëkkeur mu ngi def li parce que ma koy topoto ma ngi kër ga c'est pas parce que ay jigen ñu ngi fofu mais ma jël engagement def lool non waaw parce que c'est pas tout simplement ñu naan métier jigen moko nara def wala ki c'est faux goor day jaay c'est quoi le problème avec jaay goor mais est-ce que yow bo jaay yow yaangi outeur sa yaay xaaliss yeen nga lek seen kër ñom amnañu plaisir bobu non ñi ngi dund parce que déjà entre togn nañu droit des enfants en fait. Ñom amnañu luñu dundé yow est-ce que am nga li nga dundé sa kër est-ce que ñom xamnañu lolu sa droit laal nañ ko parce que nourriture santé bi nga nara am ci lek bi nga ki 3 repas yi nga nara am ci journée bi ci jaay bobu non nga koy amé donc je te félicite sois fier de toi amu dara li ngay rouss heure yi bo naron dem jaay ba mairie sax demal waaw amu dara li ngay rouss merci beaucoup tay nañ ci jaamu ça va journée bi ça va yeen ko yegg dal c'est sûr. Voilà, moi je m'appelle Philippe Dominique Manga, né comme stagiaire au niveau de la Fédération d'Imbaya, né comme aussi volontaire pendant longtemps. Voilà, Mangi jusqu'à présent. Di saluer l'initiative bi, daw bu daw bi féké nako, bu ren aussi sante Yalla Mangi ni féké wat nako, di rafetlu torop. Thématique bi ngeen développer ren gis na ni que amna touti djego amna changement di remercier ces ndey n'est-ce pas voilà parce que fekkewuma bi muy démarrer dama dug ci fekk affaire bi muy interview bi mu ngi don déroulé mais tout de même ma ngi féliciter bu baax ndey ndey vraiment yow ngatcha galama ci courage bi nga am sañ bi nga am diko def yombul pour une jeune fille té yakarna ni message bu mu lancé tay nek na message bi nga am téné yakarna yeen ndaw ñi la gëna concerné duma nan mag ñi parce que mag ñi duñu déllu ci di def bobu liggéey mais yeen ñi fi nek ken xamul suba lu nu muy doon est-ce que limu bëgg dina ko doon suba ak nan lay démé jamono tay il faut être polyvalent nekul ni que li nga jang da ngay nek ci lool nonu ba nga am li nga bëgg c'est pas évident ñun ñu fi nek ñun ñu leen jitu
jang nañu mais est-ce que liñu jang lolou lañ nek di def présentement lolou yakarna ni laj na tay gen interrogeo yeen ñep ku nek xol ni que li ndey def mom ci jëmu bopam yeen ñep mën ngeen ko def vous êtes capable mën ngeen ko def bu len xeb sen bop budul mécanique mëna nek maçonnerie mëna nek lenen ak lenen gen def ko sank Dominique dafa wax li am solo mu gis ci sam bop bu baax parce que dena mom day tok man tok kat bu magla même si j'ai pas de qualification awma certification damay tok damay faute damay balé damay fobéré damay lolou yépp gën yaakar gën gi def yeen jigen ñi ma dama koy def té awma ci ben complexe awma ci ben retenue lolou dama ko commencé bi fekk bi sama yaay gaño ñu nekk ci kër gi sama sœur yi fa nekkon après entre-temps ku nekk dem mu déssone ay goor kessé ci kër gi donc il fallait ñu trouver nan lañuy def pour que ñu mëna lek parce que mënuñu indi kenen ci biti pour mu togal ñu il fallait ñu togu n'est-ce pas donc comme ça nonu lañu commencé nonu la jangé ba légui mën na ko donc yeen ñi fi nek man limi len di wax gorgol len bu len xeb li ngeen di def sank exemple nan nga wax no tudd Ibrahima bu am ben complexe di def li ngay def tu as compris da ngay gis ñi nek ci boutique yi dañuy nek ay mag pour la plupart ñom ñoo mom boutique sen doomi dañ leen di initier ci jaay bi fekk ñu ngi nek ay ndaw bo leen fekke ci boutique yi ñom ils n'ont pas de complexe parce que dañoo yaakar ni que loolu lu ñuy def liguey noble la ko leen fo fekk du mom du am ben complexe pour def ko par contre ki nga am tane mi ngi ci biti tek table bu ndaw koku entreprise am la yor tamit c'est que dañoo yaakaré entreprise bu nekul ci ay mur am format am lenen moy que lolu rek nek entreprise jaay bu muy def lolu entreprise na am na nga am ci lañ commencé nek ay businessman yu mat am ay milliards donc so métier amul comme nuñ koy waxé amul minimiser bu len ridicule bu len minimiser ben liguey nu mu gëna ndaw ba ci bu mu gëna bi gëna mag ci bu ndaw bobu nonu mën nga ñew raw rombu ki nga xamantene mo ngi tok ci bureau climatisé xawma am auto nga ëppalé ko xaaliss amna ñi nga xamantene ñi ngi fi jigen chor ñi ngi ci adina bi si bo leen gisé buñ la né ki amna milliard do ko gëm et pourtant il reste modeste il reste simple ci li ngeen di def modeste bobu nonu ngeen am ci li ngeen di def soyez fier de ce que vous faites gëm leen sen bop xam leen ni que si seulement si bo leen gëmé li ngeen di def di ngeen réussir bu len xaar kenen ñew defal len ko jappale ni ke yeen mën ngeen ko gën taxaw ci gorgolu di ngeen ci yegg merci deguma olof bu baax damay jël jola malak ñom ko saafu bu gul fete bu jola be ko suumay buru bu ge exonéré ara jadi hankene le jara fureer yola la donc ndey umé ñom nga saafi mëma bu jangam yaaye pa ñi musuti jam yo jaar première fois ni jam ñona aduna yumbo akoña mécanicien ni ñowol première fois ñom ka saafi mëma aduna wé e juté jox sa akoña ma té jué kan jamais ama ñe do jut ala ko sa akoña yang yalla ko yé sa akoña épouté e fégut yang ñaba jut akoña e fégut akoña bi léka bu akoña abela ka nettoyam donc a part tout ha akoña a part tout ha akoña ban jamure ga kon ke u me amañe habile kama inja akoña mati juy kan yo yaay mati kan yo ñeenu mir bu rok babu bacci la iñowtu bo bare nje iñow bo ni mir ta hay nje juju kan bejo i jox ni kan mati nak amañe matinak amañon ano sandare jakut ñeneenu nak urek amañen atu akanu bajuta amañen hatila abile kanu bujek ba ban aw eneli bapulene enile popul aw galako upuru galako bugan galaba bu sol bugan neenu nga go sinu kambo parce que bugu de rek inde kanema u karu tiyo jambe kan jambe la godu bujegeti sa jambu nga yokondo fukoy u hanken e kan wono mene kan ou hankenu kan parce que aduna wiye ano sa wonu kané pour miya bara atu ha pour wala ppp atu hanta ha pour wala ppp mano sa monu kané miya
ou fait Mia. De un, bala ou la ko, galo maraan. Panyo ni gente Mia nous jou oura ou diek, nous jou bourrok, nous rende le koupadjaye. Ni la nous bave, ah wala ga mene l'octa esara si grossesse précoce sa, sou si mariage précoce. Mariage précoce nenu l'obion ni regi em. Bale jambouro grossesse précoce. Non, ne me le jambara manyen ha umiru grossesse précoce yubo. Umiru tuyo. Akonya anos aranga de premier grossesse mina regil erreur, soupou dior. Soupou diorol. Parce que non, me le jambara grossesse yubo. Ouye nena kombo. Donc, au jambou yo outi, grossesse ti mouni regi inje erreur, inje ma. Hani. Ya yo etebo. Jamais. Manos armo bukane bouyege ti bougule regi ukama. Nunga bouyege ti nou pinor. Nou jow. A ou pinor ou bouyege ti nou nomene jow. Ou pinor. Wala pepe pese na kouyabo eh. Bada non jow. Nou mirkari. Ba bonne mene jow. Ma wane na akomba. Jile ou jubo de na akomba. A ou chamen treba jale. Jok fukoyi. Nou djegu djegu. Nou chamen menu djegu. Jara mou fagu djegi. Nou jow bada koumanyen gago. Bada ou fagu djegi jow koumanyen. A ou chamene? A ou chamene? Wano sa wano kane a ou chamene ro. Eh? Bala ba jale, pa nye unges injiri nyara. Hano ba jite injiri nkupa jaye sa unges. Wa furite wano jebe jok. Nurande nkupa jaye furit. Wano sa, funa wale mili nyana sa ngoregi mersi. A ou bereng mersi ya nye soksu mersi matuku senama. Wala matuku jebe kori. Ban umiru mersi ya wane bile kane nini. Umiru tuyo. Donc jati ndiom ne rek faalam gu leex kamé tay pepepe iba jur bu djeg warassa i kaxene l'école depuis 2019 bare la ko wut i djok i ñew bu djeg ni djok banda mi nga rek mati nga rek ko yami rek a faalo mu meena bañe pantalon yawgul i ndje may fokk ni nomé pantalon jamais yoni bañ ma yappi me yoni bi lay tass dara me set ni kano wa ni kano tu wañ wala ko riyay fokk ni nga yoni kano wañ ni nom wañ mi ngor wala dakar na la ko ene bu djeg wañol mu wona bañu la wé dakar Dakar neno jowo hana wañu deworo no bele badjubo let wañe ngare bu Dakar école bu djeg waragu badjay bobu ci lenu jowo bu djeg ler wañ wala let fu koy ale akonya a djok fu ko na respecté woro wala ka akonya kare akonya da mu buru ñe ano sana la koy akonya ma ñe andu rek wala kom gogu ne re ñe jakke ñe no mama hani re gabante ni u jama ñe na rek kari a djak apak ni awnu nukama gore ga indejejak ni na ku chamen e jokto liberté idejak u dajak bare ba jakami ya aw bile mi nyoromo bala ñenu ne fu koy maraga indej idejak wala koji aw gané bu gané e fulay sin e fayday u purunu lako hanu ba jur bu jeeg banu san u lako yang pay sin jaay u purunu yegen jaay sin pay jambu jo baraku ma ñen ngir e kori fegu e ko re setané inde jaar ha meta he ipur na ma ñam première fois tak na jittelo me kori be ka henol be rego inde ipulen e kori ban lete kori e ci len ak chameni e sigurom ni nga len chameni lete kori u ka hal wala gu leex wala pepepe u ka hal u pa jaara gu no ko meme gu le ka re mayra be ñu ale 14 ans na faret 14 ans nu ba jille ñemu nu rek haando waw dama wara tela am doom comme ça sa morom bu ñi soop sen doomi man ta mo meuna soop sama doom non du lolu moy jigen jigen da ngay wone sa flak sa fayda nit ñi luñ la jappé di yow daf nga wala ñi jappé ndik diw ciagala wal leen ndik sa bot duma ciagal parce que duñ ko gis ci yow waye bu ñi waxe ci yow ciaga nga 2 mois wala ben wér rek ñi gis bir ci yow lan moy preuve bi lolu nga don waye lo don buñ ko waxe ci yow gum la mussa yëngal continuer dañ lay jappalé nga avancer buñu wax ci yow li nga deful dañ lay jappalé nga dem waye buñu wax ci yow li nga deful nga nek di lox parce que luñuy wax ni waw man defumako ngay jé sama ngogn non boy joy li lo metti ci xol lo xamanté lool mo lay andi avenir bu suba lool nga wara joy waye bul joy lo xamanté lu ñaka fayda wala goor moma saga ma joy nguur goor fu mu taxaw fay tay dam fay taxaw xalé goor buñu dem entraînement 16h ma ngi seen ginaaw buñu football mané len damaay football la lañuy wax sa yaram bu bari bi danka ata sa yaram mané len sama yaram bu bari ma ko yor ma xam lan la mëna def ak sama yaram waye du kenen moy joru sibiti mu wax ma la lay def sama yaram mais man xamna luma wara géré sama bop donc nañi bay buñu génné ñi nan ay grossesse presque ñoko wër grossesse ñoko wër bien vrai que baax waye ñoko wër merci beaucoup
du département de Jigenshor plus particulièrement. Vous dire que vraiment on est très content vraiment de cette journée et encourager vivement la jeune Dey pour déjà ce qu'elle est en train de faire, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup parmi vous peut-être qui opteraient à faire ce genre de métier, mais il y a le regard de la société qui ne les facilite pas. Parce qu'ils pensent qu'ils seront un peu stigmatisés, les gens vont avoir des préjugés sur eux. Donc, l'oreille. Et là, je salue vraiment le travail de ses parents, surtout parce que je pense bien que c'est de bons éducateurs. Ils ont su quand même déconstruire et lever vraiment toutes les provocations externes ou bien tous les préjugés que vraiment l'environnement de la cohabitation peuvent être hostile et la décourager vraiment à continuer vraiment dans ses ambitions. Donc aujourd'hui, elle le fait sans complaisance. Et elle est à l'aise vraiment de le faire. Il faut quand même aller au niveau de l'atelier pour voir que vraiment, elle est à l'aise de faire vraiment ce métier. Et elle nourrit plein d'ambition. Donc, on l'encourage et vraiment, on le souhaite plein succès et plein beaucoup de réussite sur ses ambitions. Je pense bien que c'est l'occasion de lancer également un appel à nos institutions, à l'État plus particulièrement, à penser désormais au métier technique. Je pense que quelqu'un l'a souligné ici, dans toute la région, ou bien je dirais au niveau du département, en tout cas de Jigenshor, il n'y a pas une école technique. Et de plus en plus, il y a des jeunes filles qui optent vraiment à faire les métiers vraiment techniques. On parle d'accès. Aujourd'hui, elles ont droit à faire ce métier. Elles ont droit à accéder à la formation dans le domaine technique. Ce n'est pas un domaine privilégié uniquement pour les hommes. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui optent vraiment à faire les métiers techniques. Donc ça, c'est un appel qu'on lance vraiment à l'État. Et également, lancer un appel à l'ensemble des jeunes filles ici présentes de vous dire que persévérer. Donc on parle d'accès, c'est vraiment que vous soyez vraiment à l'école. Donc soyez à l'école et vraiment tout faire pour y rester, c'est important. Donc, on soulevait ici la question des grossesses précoces qui est de plus en plus récurrente et les statistiques sont alarmantes au niveau de la zone sud. Donc, pour pouvoir quand même percer dans les études, il faut y rester et faire des progrès. Donc, il y a de ces accidents, moi je dirais, qui ne prônent pas, qui ne facilitent pas vraiment à votre réussite. Donc, les grossesses précoces, par exemple, donc en milieu scolaire, c'est des choses vraiment qu'il faudrait éviter à l'avenir si on veut aller loin. Et vous également, se fixer des objectifs, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, on aurait aimé, pourquoi pas, avoir un président femme. On aurait vraiment aimé aujourd'hui avoir un manager au niveau de Dimbaya, femme. On aurait vraiment aimé avoir au niveau de la mairie un maire qui est femme, de Jigenshor. On aurait vraiment aimé trouver dans l'ensemble pratiquement des institutions où nous allons, mais dans les organisations, qu'on puisse y trouver des femmes. Mais pour y arriver, il y a quand même un préalable. Et ce préalable, c'est quoi? C'est de faire des efforts dans le cadre des études et tout faire pour quand même pour y rester et aller loin dans vos études. Donc vraiment, merci beaucoup. Je félicite les organisateurs qui sont là et encore vive remerciement à Andey. Merci. On va d'abord applaudir pour la Fédération Dimbaya Kanyalen. Parce que applaudissez, il faut applaudir fortement. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y en a beaucoup des organisations qui travaillent dans la protection de l'enfance. Mais la Fédération Dimbaya Kanyalen a toujours répondu présente pour cet accompagnement. Être très proche des enfants, marqués par une qualité avérée, la protection, donner les informations nécessaires pour que les enfants puissent se protéger. La fédération a toujours répondu présente. Applaudissez encore une fois pour la fédération de Baya Kanyalen. Revenons à présent sur la journée internationale de l'enfance, de la fille, autant pour moi. C'est une journée qu'il faut célébrer et aller même au-delà. Parce qu'on a constaté, je parle en tant qu'enseignant, on a constaté que les élèves les plus intelligents
ce sont les filles. Et ça, c'est depuis la maternelle. Mais ces filles ont des difficultés une fois qu'elles sont dans un autre niveau, dans le niveau secondaire. On voit que beaucoup de filles ont abandonné. Soit c'est parce que vous l'avez évoqué ici, les grossesses précoces. Soit c'est parce qu'il y a d'autres fléaux qui font que nos jeunes filles abandonnent l'école. L'exemple que la Fédération a donné aujourd'hui aux filles, c'est un exemple qu'il faut saluer. Il faut saluer cet exemple par rapport à la décision des parents. Parce que beaucoup de parents n'aimeraient pas que leur fille fasse de la mécanique. Mais la jeune fille, on a vu que ses parents ont accepté. Mais c'est le papa qui s'est donné un exemple. Le papa a été un modèle. C'est pourquoi sa fille a accepté d'aller faire ce métier. Applaudissez pour cette jeune fille. C'est de l'abnégation. Revenons maintenant sur les filles. Saloum Bodian a dit ici, il faudrait qu'au Sénégal, qu'on puisse connaître une gestion au niveau de la magistrature suprême, la touche indélébile d'une fille. Mais pour cela, il faut que ça soit une fille exemplaire. Une fille qui a beaucoup de copains. Les copains vont raconter, une fois que tu es au perchoir, chacun va raconter, c'était ma copine. On a fait ça. Est-ce que tu sauras garder avec toi justement tous ces commentaires? Non. Ça va te perturber. C'est pourquoi une fille, il faut avoir un comportement exemplaire qui ne doit pas te rattraper dans l'avenir. On parle de grossesse précoce parce qu'il y a des démons dans la nature, des prédateurs, des hommes comme moi qui adorent taquiner et provoquer les filles. Ce sont des gens qui sont malades, il faut faire très attention. C'est pourquoi on appelle cela la pédophilie. Quand un vieux comme moi t'appelle là dans un coin pour te parler de choses, il faut savoir que je suis malade dans ma tête. Donc faites attention aux malades. Faites très attention aux malades. Ce n'est pas pour gâcher un peu la prétention des garçons. Même les garçons, là, il faut faire attention à ces garçons. C'est des gens qui sont naturellement infidèles. Tchouch fille, tchouch folle. Souma wahé dégue tachoul l'élma. Alors, faites attention parce qu'ils vont user de tous les systèmes. Les stratégies qu'ils vont peaufiner, ce sont des stratégies extraordinaires. Ça passe par l'habillement, la démarche, la façon de parler et même utiliser l'argent. Les vieux, ils utilisent l'argent, mais les garçons également maintenant utilisent l'argent pour convaincre. C'est pourquoi dañu nara am jom. Yaakar bi yeb ci yenn la. Parce que yenn ñun pa yi yen lañu gën far jappalé parce que jigen moy yeureum bayom jigen de yeureum bayom dem yeureumade pour bayom. Alors bu len yak yakar bobu bu pay am si yen bu len ko yak journée bi c'est pour mëna yé ñi nga xamné ñi ngi nelaw bi légui. Arrêtons de dormir, sachant que nous sommes jeunes. Si on parle d'éducation, on dit ceux qui sont à l'élémentaire, ce sont des élèves. Ceux qui sont au moins secondaire, ce sont des élèves. Ceux qui sont au secondaire, ce sont des élèves. C'est quand tu auras le bac qu'on parle maintenant de bachelier et d'étudiant. Mais élève vient de quel verbe, élève? Élevé. Dans élevé, mot de la même famille, il y a élevage. Il y a élevage. Ngayar Guinard, donc topoto. Si tu veux élever un arbre, doko tak ak boum pour mu meuna djub. N'est-ce pas dangay def? C'est toujours dans ce système là. C'est pourquoi les parents sont des fois durs avec vous parce que on vous élève. Un enfant est élevé. On fait de l'élevage civilisé. C'est pourquoi dañu nara xamni
pa bu taxaw di la élever di la gungé lu bax rek la bëgg ci yow la fédération lu bax la bëgg lañ bëgg ci yenn c'est pour gagner ci nara japp c'est un choix que vous soyez représenté ici ça doit vous servir de leçon pour la vie té len lepp li ngeen fi am comme conseil té len ko mu am mu don lu am solo ngeen mën ko yobbu fi ngeen ko mëna yobbu fi ngeen ko nara yobbu man c'est le message que j'avais à vous lancer en tant qu'enseignant mais en tant que journaliste pour ceux qui ne me connaissent pas c'est Amadi Khalilou Diémé le directeur général de la radio Génération FM merci beaucoup